Salut à tous, c'est SkySanji pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Comment faire des feux d'artifice? Donc c'est très simple, il faut avoir Pipix, oui, ce qui permet de télécharger des mods. Direct installé sur votre ordi, donc besoin de rien faire. Je vous mettrai le lien de Pipix dans la description de la vidéo. Donc voilà, alors très simple. Bon, moi je vais aller sur une flat world, c'est plus simple. Voilà, donc oui, donc il faut tout mini-item et je vous montre, c'est super simple. Alors, voilà, donc on arrive dans le monde. Donc voilà, tout mini-item pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, donc on a tous les mods, on a tous les cubes, pardon, même des spawn monsters alors qu'ils n'y sont pas en game mode. Comme vous pouvez voir, hein, y a des gains. Donc c'est simple, on a peut-être besoin de distributeurs si vous voulez faire un feu d'artifice complet, un vrai feu d'artifice. Donc ici cette icône, donc c'est l'item pour faire des feux d'artifice. Alors là on peut choisir s'il veut être gros ou petit. Flicker, j'en ai aucune idée. Bon voilà, ça c'est des traits comme on veut, comment ils sont, enfin les traits qui voient la fumée quoi en gros. Fly c'est la hauteur, si vous voulez qu'il vole à côté de vous ou très loin ou comme vous voulez. Donc moi je préfère qu'il vole à la 3, c'est sympa, c'est pas très haut non plus. Alors là vous pouvez choisir la couleur des boules qui va exploser dans le feu d'artifice. Donc moi je vais mettre bleu, blanc, rouge, voilà. D'ailleurs je l'ai passé. Allez. Mince, à chaque fois je loupe, super. Bon voilà, on va mettre des couleurs n'importe lesquelles. Voilà. Non, ça fera pas beau. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Bon voilà, on va dire ça. Et donc, fat color, bah, c'est pour. C'est les explosions. Bon, en fait, on s'en fiche un peu de ça. C'est surtout ça le principal pour les couleurs. Donc moi je mets tout noir. Bon, ça va rien changer dans la vie. Alors, on peut les choisir en favoris si on veut. Les favoris seront ici, bien sûr. Donc, voilà, make, c'est simple, hein, tout simplement. Je vais sans doute avoir besoin de redstone. Non, pas de torche de redstone. Par contre, un levier, ce serait bien. Voilà. Donc, je vais mettre la nuit. C'est plus sympa d'aller voir la nuit. Ouais, franchement, là dans la nuit, c'est super bien. Donc, voilà. Donc, je vais enlever ces mobs qui font chier le monde. Voilà. Alors, c'est simple. Si vous voulez, c'est comme les flèches. Vous mettez vos feux d'artifice dedans. La redstone qui relie à un levier, tout simplement. Et donc, on voit votre feu d'artifice s'envoler, puis exploser. Après, on peut le faire à la main aussi, mais ça donne moins de charme, je dirais. Ils explosent, ils explosent. Voilà. Donc après je vais. On peut aller jusqu'à 5 dans Fly, mais après c'est un peu trop haut, on voit plus rien carrément. Donc make. Make. Et fait voir 4. Et le 5. Donc là, ce sera moins haut. Voilà. Ce sera ici. Lui, il sera à peine plus haut. Et lui il va être très très haut. Voilà. Donc on voit presque plus rien. Et le dernier. On ne voit plus. C'est ça. Hein. Ainsi là-bas, mais tout là-bas au fond. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'on ne voit plus. Il faut avoir sans doute une vision phare. Moi je me mets en vision normale. Comme ça, je bug pas trop. Et donc voilà, je vous ai montré comment faire un feu d'artifice. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bonne soirée à tous.